Donc c'est un parti pris. Chez moi, il y a un parti pris d'optimisme sur l'avenir du continent. Je n'ai jamais flirté avec la faux pessimisme. Et je ne le ferai jamais. Parce que je vois clair dans l'avenir du monde et le rôle que l'Afrique peut y jouer. Donc il n'est pas question de jeter le manche après la colline, mais de pousser toujours vers l'avant. Ces ouvrages ont été écrits essentiellement pour redonner confiance aux Africains et des fois pour les interpeller durement, comme dans celui dont vous avez parlé en premier. Pour les interpeller durement. Pourquoi? Comment a-t-on pu faire ceci? Comment n'a-t-on pas pu faire cela? Donc, moi, j'ai une vision positive du continent et de son rôle demain dans le monde. Je ne désespérerai jamais du continent. Je ne serai peut-être pas là pour la voir arriver à la place que je lui destinais dans mon cœur. Mais enfin, je crois que d'ici là, un grand pas en avant sera fait.